Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. La délibération par laquelle vous nous demandez aujourd'hui de prendre acte d'un rapport de la Cour des comptes est en elle-même un comble. Un comble, en effet, car plutôt que de louer une nouvelle fois au moyen de ce document votre gestion et ses économies sur certaines dépenses de fonctionnement, vous auriez pu, tout au contraire, nous faire l'économie de ce rapport qui ne figure pas au rang de ceux dont la communication est exigée par la Cour des comptes. Et partant, vous auriez pu mobiliser vos services sur les vrais enjeux de notre région plutôt que d'utiliser une nouvelle fois les moyens institutionnels à des fins de seule et unique propagande politicienne. Un comble toujours, car vous vantez votre gestion, mais vous laissez à d'autres le soin d'arrêter le budget de notre région lorsque celui-ci est annulé par la justice administrative. Mais je ne veux pas anticiper sur un autre rapport, certainement plus dérangeant, ce qui justifie qu'il sera présenté à une heure où les médias ne seront sans doute plus là. Premier prétendument en tout, sauf en matière démocratique, un bon zéro pointé sur le respect des droits de l'opposition et une fessée sévère qui, étonnamment, n'a pas été relayée dans l'abondante publicité dépensée dans les différents titres de la presse régionale comme nationale ces dernières semaines. Un comble encore, comme l'a d'ailleurs clairement souligné le président du Césaire tout à l'heure, certaines des dépenses de fonctionnement d'aujourd'hui sont des investissements d'avenir. Un comble enfin, le rapport de la Cour des comptes dont il est question confirme le reproche adressé par le Césaire tout à l'heure, selon lequel notre région ne peut être le supplétif d'autres collectivités locales dans une quasi unique politique de guichet. Telle est la triste réalité que vous et vos amis refusez de voir, omnubilés par les seuls ratios statistiques et comparatifs auxquels manifestement vous faites dire ce que bon vous semble, tout ou presque, en effet, sauf la réalité de vos politiques clientélistes, sauf la vérité sur l'iniquité régionale que vous avez installée comme règle absolue depuis 2016. Merci beaucoup. Juste, vous avez été pas très respectueux, je trouve, sur la presse.